Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Europa Universalis 4 avec donc évidemment l'Éthiopie et ça va continuer sur les Ottomans. C'est une redite évidemment des dernières guerres, mais il faut que j'avance sur eux avant qu'ils perdent tout puisque ils ont encore une guerre sur le dos, même si celle-là va pas être très très violente. Les Trébizonde, ouais, bon. Ils vont plus avoir de problèmes avec des révoltes qu'avec Trébizonde. Donc moi je suis là, tranquille, je pense que je prends pas trop de risques. Je vais évidemment quand même amener quelques renforts. Mais honnêtement, ça devrait très bien se passer. Et très rapidement surtout. Je me rappelle plus. Je suis à 14. Je continue à développer ma doctrine, surtout que là c'est pour un marchand, donc je prends ça. Et je vais tout de suite le placer. Je pense que je peux aller chercher. Je peux aller sur Goa, honnêtement. Je dois avoir une petite puissance sur Goa, puisque. Ouais, Éthiopie, je suis là, donc je vais transférer de Goa vers Aden. Aden, je contrôle déjà beaucoup, hein. Ça devient intéressant. C'est qui là? C'est les Portugais qui me piquent un peu de commerce. Ouais, bon, ça commence. Les Européens qui commencent à venir nous piquer nos ressources. Donc là, je vais utiliser ce navire pour aller débarquer chez les Ottomans, là, sur la Crète. Pour un peu plus tard, j'attends. Non, en fait, j'ai pas besoin d'attendre, je peux y aller tout de suite. Ça va être assez rapide. Ah, ok, donc là c'est bon. Je crois que là j'attendais. Non, c'était réglé le problème des révoltes, donc je peux y aller. Je vais peut-être avoir besoin quand même d'une armée un peu plus grosse. Je peux pas passer à cause du fort là, ouais. J'ai diminué la vitesse parce que j'aime vraiment pas jouer comme ça. Merde, moins 8000 de réserve, c'est pas sympathique ça. J'étais déjà pas grand chose. Donc là, il n'y a pas de fort, donc ça va être assez rapide. J'ai pas besoin de plus d'ailleurs. J'ai bien fait, enfin, 3 navires ça suffit. Et donc là, je peux pas bouger pour l'instant, ça m'énerve un peu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Grosso modo, il se passe pas grand-chose. La Hongrie a l'air d'avoir résolu ses problèmes de révolte. L'Irak a quand même bien grossi là, hein. Ils auront pris quelques provinces. Ok, donc ça c'est fait. On peut rentrer à la maison. Mais je vais peut-être devoir en faire plus des transporteurs à cause de ce problème-là. Je sais pas encore comment je vais le gérer quand je vais récupérer les Mamelouks, mais cette révolte m'ennuie un peu, j'avoue. Bon, ça, peu importe. Ok. Alors, voilà, ça c'est bon. On va pouvoir s'étendre un peu. D'ailleurs, comment ils étaient passés, eux? Ah, ça c'est mystérieux. Ah, peut-être qu'ils viennent de passer. Ouais, je sais pas, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'on puisse y aller. Le prochain fort, c'est Alep. Je pense que mes vassaux sont en train d'y aller. On va voir ça. J'ai l'impression pour l'instant, j'ai pas beaucoup l'armée. J'ai l'impression qu'ils y vont. Je suis quand même impatient que le reste de mon armée arrive. Il y a quand même 16 000 Ottomans, donc faut pas que je me balade complètement, comment dire, à poil chez eux, quoi. Faut quand même que je fasse attention. Non, ceci dit, ça devrait aller puisque j'ai les 31 000 hommes qui arrivent. Ok, là je vais me diviser. Alors, faut que je surveille aussi la Sicile qui a, putain, qui a complètement conquis Tlessim, là.
Ah, ça, c'est pas drôle, ça. Par contre, ah, ils ont toujours l'alliance avec la France. C'est pas drôle parce qu'ils me coupent la route. Et du coup, je peux plus passer par là sans faire la guerre à la Sicile, mais la Sicile est alliée avec la France, donc de nouveau, je me retrouve avec un gros gros problème. Et puis, je pense que la France, ce sera autre chose à déstabiliser que les Ottomans. Je le sens pas très bien, ça. En tout cas, ça va me faire perdre du temps. Je pense que j'ai été obligé d'enchaîner sur les Quillois, hein. Les pauvres, de nouveau, ça va être eux, mais. Là, c'est faute de possibilité. Hein. Bon, on verra. Défection de marchands, honnêtement, ça, je m'en fous un peu. Au contraire, ça me fait gagner un de mercantilisme. Le fait est que j'ai pas de problème de revenus, donc. Ok, j'ai mes 4 navires. Là, je peux pas passer le long du fort, donc de nouveau, il va falloir que j'attende. Je suis bloqué de nouveau. Là, j'ai pas besoin d'autant de troupes. Eux, ils peuvent s'arrêter là. D'où l'utilité quand même des forts, hein. C'est vrai que moi j'en fais pas beaucoup, mais parce que j'aime pas dépenser de l'argent. Ceci dit, je peux les désactiver. Mais outre le fait que ça donne de la tradition militaire, c'est vrai qu'en défense c'est pas mal. Mais moi en général je me défends assez peu. D'ailleurs celui-là je vais le détruire. Je suis plutôt tendance attaquant que défenseur, il faut bien le dire en général. Après, on fait pas toujours ce qu'on veut, mais. Bon, ben, je suis bloqué. Ce fort me dérange. Mais je crois pas avoir de leader capable de m'aider. Là, j'ai un en siège, là, j'ai zéro. Et eux, ils ont un leader. Ah, ils ont pas de leader avec des stats en siège, donc je vais leur amener. Ça va accélérer les choses. Je vais gagner 7% de chance. Voilà. Ah, plus que ça, même. C'est parfait, 35. Ah, ça m'énerve. Je sais pas comment je vais faire. Hein. Peut-être faire la guerre à la France. Hein. Ceci dit, ça dépend combien la France a de transporteurs en fait. Puisqu'il faut qu'elle amène ses troupes. Flotte. Elle a 26 transporteurs, elle peut ramener 26 000 hommes à la fois. Alors je sais pas si une armée de 26 000 hommes français, quel genre de dégâts ça peut faire dans mon armée. À mon avis, c'est du lourd quand même. 26 000, il m'en faut au minimum le double. Non, on va pas dire au minimum, on va dire il m'en faut le double. Je sais pas. Je pense qu'il faudra quand même bien faire la guerre à la France. J'aurais pas trop le choix. Bon là, je crois que je vais quand même finir par transférer des territoires aux Mamelouks puisque ça n'avance pas trop la conversion, l'intégration là. Je crois que ce sera pas fini avant la fin de la guerre. Et là, je peux pas passer à cause du fort, sérieux. Bon. Réputation diplomatique. Je prends parce que ça va accélérer l'intégration des Mamelouks. Donc pourquoi pas. Et puis l'argent coule à flot, on va dire. Ceci dit, je pourrais prendre un 2 ici aussi. Bon, je vais attendre qu'il meure quand même. Je veux pas accélérer les choses. Les Ottomans ont du souci à se faire, hein, parce que même Trébizond arrive à gagner la guerre. Ce qui est quand même assez unique dans les annales d'Europa Universalis 4, je pense. Alors, Malatia. D'accord, donc on va continuer. Ah non, ils vont pas commencer à empiéter sur mes conquêtes.
Ben, je crois que si, en fait. Donc, on va être obligé d'aller là, par exemple. Oula, on va commencer à se battre. C'est pas plus mal, hein. Je suis pas contre une petite bataille pour faire des... du score de guerre. Ouais, bon, sauf qu'ils font demi-tour, évidemment. Donc, toi, tu vas rester là faire ton siège. Donc, toi, tu vas avancer... Oula, c'est n'importe quoi là. Tiens, il y a eu la paix, on dirait. Ah, et bien maintenant il y a une guerre avec l'Irak. Donc, Ottoman renonce à ses revendications sur Kaffa. Et demande que ça, Trébizon, ils sont gentils. Hein. Moi j'aurais demandé beaucoup plus. Ok. Bon, je pense qu'on va commencer à se demander sérieusement ce qu'on va pouvoir réclamer aux Ottomans, parce que j'ai pas non plus envie que la guerre soit trop longue. De toute façon, ça va se jouer dans cette région. Ils acceptent déjà de me donner beaucoup, mais... ils me donneraient ça. Non, là, cette région-là, je la veux, parce qu'elle est Mamelouk, donc autant l'avoir. Alors, je vais me prendre un leader et on va bel et bien les affronter pour le score de guerre. Et lui, il peut pas bouger à cause du fort. C'est parti. Donc là, je pense que c'est trop tard, le 10 août. Donc, je vais essayer d'aller à leur rencontre. Je crois qu'ils peuvent plus m'échapper là. Le 20, le 19. Ah, peut-être que si. Non, le 18, c'est bon. On va se battre. Pourquoi j'ai écrasé leur armée là? Ils n'avaient pas de maintenance militaire ou. Parce qu'ils s'étaient pas battus, donc ils n'étaient pas à zéro. Pff, tout va mal pour eux. Hein. J'aimerais pas être à leur place. Hein, parce que là, je pensais gagner, mais je pensais qu'il y aurait une bataille quand même. Ouais, du coup, on se retrouve avec un score qui est monté vite. Je vais essayer de prendre ces deux derniers forts. Celui-là et celui-là. Et puis on verra ce que ça donne. On discutera. Ok, donc ça, c'est pas ça que je voulais. J'ai dit ces deux derniers forts-là. C'est pas celui-là non plus que je voulais. Ça, on s'en fout. Ça augmente vite la colonie finalement. C'est assez rapide. Je suis relativement surpris. Ok, donc c'est pas ça non plus que je veux. Il me manque plus que cette base-là, cette province-là. Pour qu'on puisse discuter paix. Le score monte. Hein. Finalement, le temps de prendre les deux forts, j'aurais quasiment conquis. Parce que là, je suis pas loin de la fin. Hein. On arrive déjà à la capitale. Tout ça parce que ce fort-là ne veut pas tomber. Oh là là, leur armée est... est vraiment pas tip top. Hein. Bon, bah eux ils vont rentrer. Je pense que du coup ce sera la guerre contre les Kilois parce que bah, j'ai pas trop le choix en fait. C'est en Afrique donc ça m'intéresse et pour l'instant la Sicile ça me paraît un peu compliqué. Ça c'est bien parce que les 50 points diplomatiques vont me permettre de booster l'intégration des Mamelouks. Donc c'est tout bénef. Mais là les Mamelouks, je vais leur donner 3-4 territoires en plus. Bon bah il veut pas tomber ce fort. Hein. Bon c'est pas très grave, hein. Pour l'instant là je fais des conquêtes mais...
Ouais, par contre, là où je vais atteindre ma limite, c'est que je pourrai pas traverser. Il a des navires, donc il m'empêchera toujours de passer. Ça, on pourra pas aller plus loin. Hein. On pourra pas aller dans la partie occidentale. Donc là, je prends un niveau 2. Je pense que je peux me payer des 3 niveaux 2 maintenant. Là, je peux pas parce que j'ai de la maintenance militaire, mais tiens, voilà, c'est fait. Ok, donc ce que je vais faire, je vais tout de suite transférer les territoires qui sont revendiqués par les Mamelouks. Ok, celui-là. Grosso modo, ça doit être tout. Ah non, il y a celui-là aussi, je pensais pas. Ils l'ont pas au début de la partie, les Mamelouks, je crois. Ah ben, il y en a plein, en fait. Mais c'est que des revendications, hein. Faut qu'ils aient le temps de les légitimer, par contre. Parce que de légitimer, il y en a qu'un. Bon, je leur donne pour l'instant, on verra bien ce qu'ils en font. Sinon, je le ferai moi-même. Ok, donc on va discuter paix jusqu'ici. Voilà, comme ça. Le reste, c'est pour moi. Ah, on est à 56 quand même. Et un peu d'argent, ça fait toujours plaisir. On est qu'à 29. Hein. Je peux prendre celui-là. Ah non, ça commence à faire beaucoup. Je veux pas avoir trop de surexpansion. Je vais m'arrêter là. Déjà, je trouve que je suis assez élevé de nouveau. C'est pas mal du tout. 15 points de diplomatique. C'est parti. En espérant que les Mamelouks aient le temps de faire leurs revendications. Ce que je vais faire, je vais rester dans les parages parce que je me dis qu'ils vont avoir des révoltes. Bon, moi je légitime tout, il n'y a pas de souci. Je prends cette 15e science comme prévu. Je suis à 10% de remise, entre guillemets, donc c'est pas si mal que ça. Voilà, Serbie qui a bien grossi quand même sur le dos des Ottomans. Je parle pas d'Aragon qui a elle aussi... bien grossi. Qu'est-ce que je voulais faire? C'était ça que je voulais faire. Ok. Bon. J'étais obligé de laisser quelques troupes quand même. De toute façon, j'ai pas besoin de tout le monde pour la guerre contre les Kilois. Je pense que je les ai bien affaiblis. Alors, vite fait. Ma dernière revendication. Sinjar en Asie. Sinjar, c'est où ça? Ah, ici. Ah, Ottoman n'est plus un rival. Je les ai tellement affaiblis. Du coup, il y aura qui? Les Autrichiens, peut-être? La Castille. Oui, bah pourquoi pas. L'avantage, c'est que le World... Je suis à combien là? Je crois que j'ai rarement été aussi élevé parce que en fait je suis à 110, 120, 130, grosso modo 140. Et j'ai même pas de pirate, rien. Donc en clair, je suis pas prêt de perdre ce bonus de plus 3 points. Ça c'est une très bonne nouvelle. Hein. Ça fait 36 points de plus par an. Alors par contre, l'annexion a reculé de façon assez impressionnante. Pourtant, je leur ai pas donné tant de territoire que ça. Ah si, c'est parce qu'il y a quand même des territoires assez gros en termes de développement. 22, 16, ouais, bah du coup, bon, ça coûte un peu cher. C'est bizarre quand même que le coût ait explosé comme ça. Peut-être que... Je me dis que ça coûterait moins cher s'ils étaient légitimés. On va voir si le coût varie. Pour l'instant, on est à 1014. On va voir ce qu'il en est. Là, je suis vraiment obligé de laisser 16 000 hommes. Ce que je vais faire, par contre... Je vais faire 6 000 hommes. Cavalerie. Voilà, ça fera un petit peu plus face aux Kilois, même si ça m'inquiète pas trop, le nombre. Là. On n'est pas si mal. Là, je vais reculer un peu, parce que...
Alors, encore un nouvel empereur. J'ai trop d'attrition, je trouve. L'attrition. Ce que je regarde, c'est ça. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont en train de légitimer. Ouais, ils ont été très rapides, hein. Ils ont tout de suite tout lancé. Ah non, c'est pas la légitimisation, ça. Ah putain, ils sont pas en train de légitimer. Si, ils ont commencé. Ça me rassure. Bon, cette guerre contre les Ottomans, elle aurait été rapide, hein. Même pas un épisode et c'est plié. Shirvan a déclaré la conquête de Shirvani. Encore une guerre de plus pour les Ottomans. Décidément, personne ne les laissera tranquilles. Ils sont réduits un peu à la Turquie actuelle, même. Ah, j'ai oublié de prendre ça. Ah, oh, quel boulet. Bon, c'est pas grave. Ça m'est complètement sorti de la tête. Ah, ça m'énerve. Bon, tant pis. C'est pas très grave non plus. Alors, est-ce que je pourrais pas y aller là? On a fini la trêve hein, puisque on a eu le message tout à l'heure. C'est qui ça? Indépendance de la Syrie, ouais, donc c'est pour ça que je suis resté dans les parages, c'est parce que je me dis qu'il va y avoir du sport un peu. Ça concerne Alep, Damas, Tadmon. Je pourrais activer le fort ici. Activer le fort ici. On ne sait jamais. Ça peut être intéressant. Par contre, je perds de l'argent maintenant. C'est nouveau ça. Ouais, c'est vrai que j'ai poussé mon armée. Tiens, bah, pile poil où j'avais fait l'effort. Ouh, 34 000. C'est trop. J'ai pas prévu assez d'hommes. Je peux régler ce problème-là. Mais je peux pas régler l'autre. Je suis obligé de faire demi-tour avec au moins 24 000 hommes, je dirais. Ouais. Merde. Le temps que je traverse, ils auront pris le fort. Alors les Kilois, ils ont combien d'hommes du coup? Ça se trouve, je peux plus leur faire la guerre. Ça, je suis sur les navires, évidemment, c'est pas pareil. Ah merde, je les ai vus dans la liste au moment où j'ai cliqué. 37 000 hommes. Donc là, je peux pas y aller, j'en ai que 34, c'est pas génial. Ah bah zut alors. Ok, ça c'est réglé. Du coup, je vais m'empresser de désactiver le fort. Ah, je suis un peu vert là parce que je serai certainement pas là à temps. Bon, en tout cas, je vais arrêter l'épisode ici. Je préfère m'en tenir à des épisodes courts. Je vous laisse et je vous donne rendez-vous sans faute demain pour la suite de ce Let's Play.